Bonjour tout le monde, bienvenue sur News et jeudi à c'est 13 septembre, yon l'autre semaine encore dans le mois de septembre. Nan, ta vlo comprendre que mois de septembre ça effectivement c'est moi qui vraiment plus busy au niveau de congrès. Ta vlo comprendre amplitude ça gain pour fête dans le mois de septembre ça. Nous va le faut parler pour capable comprendre contexte là, c'est un véritable challenge démocratie gain dans moment n'a parler avec vous là. En fait, donnez au clair, mois de septembre, là, sénateur supposé retourner travail là, mercredi cap vin là, lundi retourner travail là, retourner dans le Parlement, mais déjà en pile négociation, t'as fait behind the scene, même jeune député nous connaît pas là, il a tourné, il supposé tourner travail lundi cap vin là, lundi prochain, mais négociation a fait et pas gagné tant. Devant yo dans mois de septembre yo supposé tourner et gon bande deadline cap tan yo ou gen debt ceiling. Donc nous connaît que pays a ka shut down pour ça, faut ou dégager yo et gen bon fond yo pas oublier tout gen oversight comité cap fait des investigations sous Jean Biden te géré dernier jour les ou t'a retiré moun nan Afghanistan. Donc en clair, j'en dis, c'est une saison qui a plus busy que l'homme et que yo. Il y a pressé là, justement, pour yo. Budget, nous connaissons que nous rentrons dans une nouvelle année fiscale. Pour yo financer le gouvernement, pour yo augmenter les tilignes. Ok? Et nous pas oublier tout que la division qui gagne, parce que bien que nous pas parler ça, disons, bon, gagne une probe. Gagne une investigation sérieux qui a fait là, justement, sous événement. 6 janvier a, et gon comité qui a discuté sous ça et gon pile bataille sérieux qui a fait sous cause ça et maman cause a des gros morceaux projet de loi qui t'a supposé passer en fait vienne présenter devant chambre député a 27 septembre plus tard. Nous voulons parler de ça, nous voulons parler de 1.2 trillion de dollars qui était déjà voté dans le Sénat et de 3.5 trillions de dollars justement et que yo pral gen pour voter là. Et donc en pile moun dit que yo wè bah ça impossible, il faudrait que démocratie était vraiment en fait ta vraiment élevé par dessus bord pour arriver faire compromis entre ça nous les modérés et progressifs qui gen des désaccords sur qui va les cob qui pour dépenser. Et deadline ça pour nous comprendre et yo supposé pabli que 3.5 et al poko fin finalisé mercredi au plus tard faut ta finalisé et ta supposé passer et législation à travers chambre député et semaine prochaine pour voter. Attendez bien, pour voter 1.1 trillion de dollars là 27 septembre et dégager pour connait pour yo ça nous ta relé et budget pays parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année fiscale 1er octobre faut financer gouvernement et ça nous ta relé debt ceiling au plus tard dans mi-temps octobre faut faire ça. OK, ça nous connaît depuis des mois démocratio justement dans préparation pour moment clé ça moi ça et challenge c'est arriver construire une unité sous budget. OK, donc ça nous le dit pas là. Effectivement, démocratio livré dans une bataille, les nous dit bataille là, on bataille entre yo sous des désaccords pour yo justement et solutionner différents désaccords que yo gagne. Maintenant, les modérés tant kouba et Manchin clé. Manchin dit lui-même, li pa kwè, y a ka gen tan fait toute bagaille ça. Hein? Li pa kwè y a gen tan ka fait toute bagaille ça pour sel ti mois septembre là. Monsieur, dis pas qu'en façon que nous capable faire bagay ça jusqu'à 29 septembre. Si nous fait job, nous avait dit tellement qu'on est gagné des points de discussion, des points de désaccord dans différentes ça qui gagne infrastructure là, il faut que je t'aille parler. Lui même il pensait délai jusqu'à 27 septembre là, il pas croire que il est capable. Bah, donc son véritable bataille pour arriver rallier tout démocrate derrière ça nous relayer un massive économique package qui justement gagne la dedans immigration tout, mais en pile monde
oublier que c'est pas seulement immigration qui gagne dans 3.5 ans, bonne bagaille clé. Hein? On dit que c'est une tâche colossale, c'est un challenge, c'est un défi, et moi je pense que démocratie a vraiment battu un record si on est arrivé résoudre toute difficulté, tout désaccord qui gagne entre eux-mêmes et que pour eux t'as passé deadline ça. C'est vrai. Moi je te dis on prend une pause pour nous capable justement et accorder. Il dit mettez-nous tous ensemble sous même piste. Il pensait que pour voir les bagages qui gagnent pour discuter entre nous là, nous pas supposé à courir. Ça vous comprendre c'est que progressif yo tout comprendre bagaille même yo di yo pa négocier. Yo nan ba yo di yo pa faire. Yo di yo sorry, yo pa pa le voter 1.2 a. Parce yo pa le prendre un piège là. Bon 1.2 passé dans Sénat déjà parce yo di a depuis 1.2 a. Parce que 1.2 a yo bien dit c'est modéré que t'es président c'est pas eux même. Donc pour eux même c'est vrai que Gondel là 27 même yo di yo pa voter en 1.2 trillion si pa yo pa passer tout. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Leader démocrate yo journée jodi a sous pression pour finaliser et projet de loi et 3.5 trillion de dollars. Et n'a pas rappelé que Nancy Pelosi te promet modéré dans la chambre des députés que parce que au même tout yo dit bon 1.2 a date ça faut voter la guette à droite à modéré n'a parlé de modéré député démocrate qui dit que au même c'est vrai que yo intéressé à 3.5 là mais on bagaille qui passait déjà dans la chambre sénat. Nous avons besoin d'infrastructures tout parce qu'elle a parlé de route, bon bagage qui est important pour le pays. Il a Nancy Pelosi pression pour le parler. Nancy Pelosi promet 27 septembre la présenter. Et mes progressifs ont dit eux-mêmes, vle pas vle, 27 septembre là c'est pour eux-mêmes si 3.5 millions beaucoup clair. OK? Donc et nous gagnons et Manchin qui toujours a mettre de l'eau frette sous excitation, moun yo gagne pour yo couvrir bagage ça. Donc il dit pas gagne moyen loin que ça va le faire. Négociation vini dans moment que la présidence de Biden dans une période pivotale avec des priorités politiques agenda clé. OK, parce que nous faut clair sur ça. Des possibilités pour nous aller dans ça nous là en catastrophe économique faut clair. C'est faut comprendre ça qui a passé là. Moi mon fait hypothèse que Sénat en ce qui a trait à dette civile en ce qui a trait à budget ça qu'arrivé on entend dit bon monsieur nous contact passé bah la mêlé là nous pas gétant entendre nous en vote en prolongation avait dit et pour budget pays n'a pas un petit budget 3 mois ou bien pour dette silinan n'a pas un petit cob pour 3 mois penser son éventualité comme ça son façon pour capable mettre budget et qu'on t'a dit ça là mettez de côté inquiétude budget mettez de côté dette silinan puisque trois bagages pour nous faire en même temps penser que c'est la meilleure option là bah un petit prolongation sur budget a. Un budget, nous avons septembre jusqu'à mois de décembre. C'est comme si nous avons dit, nous avons fait déjà, et bataille ça, nous n'avons pas fait trois bagages en même temps, on pousse pour trois mois, ainsi que bataille de Tilina, on pousse pour trois mois, ça a bon nous l'attitude, justement, pour nous concentrer sur Santarelle, infrastructure bill. Je pense que c'est une alternative, puisque il y a trois causes, trois bagages pour faire un seul coup, et pour mois de septembre. Donc, je pense que la bataille pour augmenter les dettes, il faut au fond repousser. Le baron Ticob, pour 3 mois, c'est pas oublier que les républicains ont campé mine et ils ont habitué à faire ça. Bien que, ouais, sous Donald Trump, ils ne parlent pas de dettes, non même. Ils ont levé les bien facile sans bris encore. Des bons démocrates montés, ils ont augmenté les dettes. Et ils n'ont pas parlé de dettes, ils ne vont pas comprendre bien. Je ne dis pas qu'ils ont augmenté les dettes. Pour qui ça? C'est pour des dépenses. Claire. Parce que, comme les dépenses que les présidents. Biden n'a rien fait. C'est pour payer des dépenses de la présidente de Donald Trump, oui. Par contre, si vous comprenez, Nancy Pelosi a dit ça. Nancy Pelosi dit que ça nous va le faire là. Nous va le payer crédit 4 et Donald Trump. C'est pour appeler à républicain, causer augmenter des dettes. Non, c'est pas des dettes accumulées par la présidente de Joe Biden. Parce que Biden, combien de mois il gagne pour le target en gagne tout comme ça pour se rappeler. Non, c'est des dettes accumulées par la présidence de Donald Trump. Ok? Donc, il y a jusqu'à mi-octobre. Bon, je parle de. Je pense que c'est ça que tu as supposé faire, parce que y a trois bagailles. Et qui pour faire justement, pour celle dans le mois et septembre, là, on pile deadline et ça n'a dit le clock is ticking. Vous comprenez? So, nous sommes capables de dire,
et réveil là, c'est toc tic toc tic toc tic toc, temps à approcher sous yo. Et gain des modérés qui dit non marché pressé, ça a bon bon erreur qu'un café, et c'est ça que fait eux même, yo dit on font ti poser pas gain courir, on font ti poser pour capable et qui on t'a dit ça là, et mettez mes ententes nous sous table là pour nous capable avancer. C'est ça qui gain là, OK. Et ben pour démocrate leader yo t'a vle que pour législation ça t'apparaît sous flou là et semaine k'ap vinn là, et ça que yo t'a vle pour gain t'apparaît sous flou là, OK. Et donc voilà, et Jean et causé à nous pour nous comprendre que effectivement démocrate yo non véritable embroglio dans moment n'a parlé là, et agenda Biden non nous capable dire do or die, un moment décisif, do or die, make or break, vous comprenez, et soit donc il y a deux, do or die, make or break, c'est des moments assez décisifs. Et déjà dans semaine ça là nous mettre branché, et c'est pas nécessairement infrastructure là, il y a un élément là-dedans, il faut préciser pour qui c'est l'élément immigration. N'importe qui les pendant m'a parlé avec ou là, il est capable bon mauvaise nouvelle qui tombe sur lui, puisque ça nous relève le parlementarien nanté et madame nanté fin tande yo, elle a bien pour le prononcer, pratiquement elle prononcer son dossier qui a tout fini, bien que en pile monde dit gain rien, on petit espoir si on t'a overturn ni. Mais me rappeler pour nous que causer overturn non, c'est depuis 1975 on baille comme ça t'est fait. Et yo pas presque fait souvent gagner ça n'a relé et respecter les précédents, et yo toujours respecter et ça qui qu'on fait dans précédent tout nous rappeler républicain on l'a été révoqué au lieu pour overturn yo était révoqué li. Donc n'a suivre mais on veut dire que yo pas overturn souvent et précédent de parlementarien non. Donc c'est comme ça pour nous comprendre cause ça. Donc en clair, nous te voulons dire que vraiment Jean-Noël Bayala là gagne du pain sur la planche, OK? Gagne du pain, gagne un pile travail, et vraiment pas gagne personne monde qui capable bail garantie qu'effectivement que différentes challenges ça yo que démocrate yo et pral arriver traverser. Si n'ta vle opinion personnelle moi-même pas tellement m'pa di l'impossible que pa pral faire, mais m'a demandé moi si vraiment tout bagay sa yo ap ka fait pour moi septembre là, puisque gen trop causé là. Et moi-même très sincèrement m'pense que gen en pile chance pour nous arriver prend mois d'octobre, yo ka mandé un rallonge pour nous pour capable raccorder violent yo. Et pour capable raccorder et violent yo, OK. Et donc voilà, et nous te vle et de mesurer travail qui va le faire là. Déjà nous dou mercredi c'est et Sénat qui formellement va recommencer à travailler, et lundi formellement c'est tout de chambre député yo. Nous te vle matin permettre ou comprendre justement contexte politique qui gagne au niveau du Congrès américain challenge qui rete yo. Nous te vle mesurer ensemble avec vous, et justement j'en nous toujours promets tout n'a suivre pied pour pied, hein, pied pour pied différentes évolutions yo nous promettent pour nous justement pour te update baou de toute dernière information qui a passé au niveau du Congrès américain, surtout pour mois de septembre ça. C'était un véritable plaisir. Toujours été connecté avec News Daily. Bye bye tout le monde.